Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de The Dark Knight versus Francis Bacon. Alors, Francis Bacon, c'est un artiste qui est né en 1909 à Dublin. C'est un enfant qui est très maladif et qui souffre d'asthme et est maltraité par son père, d'autant plus lorsque celui-ci apprend son homosexualité. Cela poussera Bacon à quitter la maison familiale à l'âge de 16 ans. Il deviendra alors décorateur tout en peignant des toiles d'influence surréaliste. Sa première exposition personnelle est en 1934 et passe assez inaperçue. Mais c'est en 1945 qu'il sera révélé par le scandale provoqué par la violence de son triptyque, trois études pour des personnages au pied d'une crucifixion. Donc cette œuvre représente un univers entièrement rouge et noir qu'il met en scène et qui révèle une angoisse assez présente. Il y a le thème de la chair, de la douleur qui est omniprésente, et l'un des panneaux représente deux hommes dans une boucherie, l'autre évoque lui un corps crucifié. Le panneau central figure quant à lui un corps recroquevillé et martyrisé, seul dans son lit, un lieu symbolique de la naissance comme de la mort. Non, mais vous savez, quand j'ai fait les crucifixions, c'était pas parce que je suis pas du tout religieux, mais on avait des crucifixions qui m'a beaucoup touché, comme les Grunewald et les certains autres de Thomas Bouet et des gens comme ça. Mais c'était alors à cette époque-là, quand j'ai commencé, je n'avais pas vraiment un sujet. Alors c'est à cause de ces tableaux que j'aime énormément, les Grunewald et les Thomas Bouet, que j'ai commencé avec les crucifixions. Mais c'est pas parce que je suis religieux que j'ai fait les crucifixions. C'était un sujet. La forme du triptyque devient par la suite son mode d'expression favori. Il produit souvent ses œuvres sous forme de séries autour de thèmes comme la crucifixion, l'autoportrait ou encore en reprenant des modèles d'amis. Ses corps ou visages sont représentés de façon mutilée, torturée, difforme, un peu déchirée, mais sans verser non plus dans une certaine abstraction. En effet, sa peinture est en forme de miroir de ses angoisses, de ses drames, de ses obsessions, notamment dans une époque qui est marquée par les conséquences de la Seconde Guerre mondiale. Donc le sacré et le profane se mêlent constamment au sein de son œuvre. Et l'artiste souffre d'un tempérament dépressif, avec une forte tendance à l'autodestruction et à l'alcoolisme, ce qui ne l'empêche pas pour autant de continuer à peindre, mais il est même amené à détruire une grande partie de ses œuvres. Je suis presque alcoolique, mais quand même, c'est pas. Il faut se refaire un peu de temps en temps avec l'alcool ou les drogues. My work is a reflection of my life. Bon, mais alors justement, votre travail, votre peinture, vos toiles sont un reflet de votre vie. Qu'est-ce que c'est votre vie alors, d'après vous? Qu'est-ce qui vous hallucine? Qu'est-ce qui vous fait peur, disons, pour commencer par la peur? C'est pas une question de peur. Moi, j'ai peur. Qu'est-ce que j'ai peur? J'ai peur de quoi? J'ai peur de la violence, même que j'ai subi la violence souvent. Francis Bacon finira par mourir en 1992 lors d'un voyage à Madrid. Nous confrontons donc Francis Bacon à une œuvre d'un réalisateur qui est Christopher Nolan, qui est un réalisateur donc britannique, qui est né à Londres lui le 30 juillet 1970. Il est connu notamment pour ses films Memento. Insomnia. Le prestige. Tiens, essaie d'inventer quelque chose de nouveau, qui fera que les autres magiciens s'arracheront les cheveux. Je suppose que toi, tu as ce genre de tour. Sans aucun. Inception. Interstellar. Dunkerque. Tenet. Time isn't the problem. Getting out alive is the problem.
Et évidemment, pour sa trilogie consacrée à Batman, Batman Begins, The Dark Knight et The Dark Knight Rises. Donc c'est des films en plus que j'apprécie énormément, donc ça me fait d'autant plus plaisir de vous en parler aujourd'hui. Christopher Nolan, déjà dès l'âge de 7 ans, il est attiré par la caméra. Il utilisera même la 8mm de son père pour tourner quelques courts-métrages. En 1989, son premier court-métrage est Tarantella, qui sera diffusé à la télé alors qu'il est encore étudiant en lettres à l'université de Londres. Et son premier long-métrage, lui, sera Memento, en 2000, un thriller qui mettra en scène Guy Pearce et qui, à travers des flashbacks, essaiera de trouver le meurtrier de sa femme. Une mise en scène qui sera notée comme ingénieuse et le rendra populaire, et il sera même noté aux Oscars. Les grands studios américains vont commencer alors à lui proposer de nombreux projets, dont le remake de Insomnia, qui réunira Al Pacino et Robin Williams dans un film policier. Et ce sera un véritable succès, à la fois critique et public. C'est porté donc par cette reconnaissance qu'on lui proposera en 2005 de mettre en scène les nouvelles aventures de l'homme chauve-souris dans Batman Begins, et renouera avec le côté sombre et tourmenté du personnage de Batman. Donc au sein de ce deuxième volet de cette trilogie, qui est le Dark Knight, nous allons émettre des liens avec le travail de Francis Bacon, et notamment avec la représentation du Joker. Mais avant cela, le Joker, revenons un peu sur ce personnage de fiction, qui est créé à l'origine par Bill Finger, Bob Kane et Jerry Robinson, dans le Batman de 1940. C'est un personnage dont on ne sait pas grand-chose, on est sûr de rien, de ce que l'on croit savoir, si ce n'est qu'il est la némésis ultime de Batman, il est son contraire. Il se fait aussi appeler le clown prince du crime. Il est notamment inspiré de L'homme qui rit, de Victor Hugo, qui décrit ainsi. L'homme est un mutilé, ce qu'on m'a fait, on l'a fait au genre humain. On lui a déformé le droit, la justice, la vérité, la raison, l'intelligence, comme à moi les yeux, les narines et les oreilles. Comme à moi, on lui a mis au cœur un cloaque de colère et de douleur, et sur la face un masque de contentement. Le personnage du Joker était, au sein du Dark Knight, l'élément le plus attendu du film avant sa sortie. Et la performance de Heath Ledger a su créer une surprise et l'imposer comme un des principaux moteurs du succès de la production, en faisant de ce clown maléfique un psychopathe anarchiste et misanthrope. Je crois que tout ce qui ne nous tue pas nous rend simplement plus bizarre. Et Nolan plongeant son héros au milieu d'une bataille désespérée face à un être sociopathe. Le film The Dark Knight, pour revenir dessus, raconte un crime qui grandit au sein de Gotham City, la police qui est totalement à bout de souffle, bien qu'un nouveau élu, du nom de Harvey Dent, semble porter l'espoir d'un renouveau. Mais c'est alors qu'arrive un certain Joker qui amène le chaos et présente une menace plus forte que jamais pour l'équilibre de la ville. Batman se questionne lui sur son rôle en essayant d'empêcher le nouveau malfrat de semer la destruction sur son chemin, ce qui semble être le seul et unique but et objectif de ce personnage. Nolan est un réalisateur qui calcule tout, qui prépare tout. Et le spectaculaire chez Nolan porte bien son nom, à travers à la fois les marques d'un camion qui se retourne sur l'asphalte, ou les cendres d'un hôpital qui part en fumée. Mais Nolan favorise les effets pratiques autant que les effets spéciaux, et les costumes des héros sont encore des vrais costumes, à la différence des futures productions cinématographiques. Ainsi, le costume et le maquillage du Joker sont mûrement réfléchis et font directement écho au travail de Francis Bacon. Christopher Nolan revendique trois inspirations pour le personnage du Joker. Donc il y a Alex dans Orange Mécanique, et la peinture de Francis Bacon évidemment, et le mouvement Puck. Christopher Nolan s'inspire donc des tableaux de Francis Bacon, dont il adore le travail, afin de mieux grimer Heath Ledger. Que ce soit la texture et le mouvement au sein de la peinture de Bacon qui ont permis de créer, justement, le visage de ce grand ennemi de Batman.
Les représentations précédentes avaient mis la peau blanche, les cheveux verts et la bouche rouge vif au personnage du Joker qui était tombé dans une cuve ouverte de produits chimiques. Pour l'univers plus réaliste du Dark Knight, il fallait quelque chose de différent. Le réalisateur a alors apporté un livre sur l'art de Francis Bacon sur le plateau. Et il a décidé d'incorporer les distorsions et les mélanges de couleurs de Bacon dans le mec du Joker, lui donnant une sorte de qualité légèrement usée. Donc quelque chose d'assez douloureux, de torturé et de surtout d'infiniment sombre. Comme les toiles de Bacon qui hurlent, comme sur ces trois autoportraits du peintre, qui font directement lien avec l'image que l'on a du Joker. Puisque Christopher Nolan voulait que le Joker justement incarne quelque chose d'absolu, un individu complet. Mais ce n'est pas seulement l'apparence du Joker, de Ledger qui porte la marque de Bacon, mais aussi son personnage. I think what Heath was able to do with his makeup, with the makeup artist, is kind of really uses his face as a canvas, you know, and really try and achieve some of that tortured quality and some of that threat in the actual makeup of the Joker. I really love the black spaces. It makes me think a lot about the geography of the painting, about where that figure sits in the world, and I quite like the paradoxical nature of the more he removes, the less he tells you really about what's out there, the more I find myself thinking about what's in that dark space behind and everything. Ainsi, les toiles de Bacon permettent une sorte d'ombre projective de nos propres peurs, comme dans le triptyque août 1972, où après la mort de son compagnon, celui-ci laisse à l'arrière des portraits, le représentant lui et son compagnon, des immenses ouvertures noires, laissant à l'imagination ce qui pourrait y apparaître. Pour le personnage du Joker, Nolan a décidé, plutôt que de lui donner explicitement une trame de fond, ou de l'ignorer complètement, mais plutôt d'obscurcir son passé, en lui faisant raconter différentes versions de l'histoire dont il a eu ses cicatrices. Au cours du film, le Joker raconte deux histoires différentes sur la façon dont il a eu ses cicatrices. D'abord au gangster Gamble, ensuite à Rachel Dawes. Dans la première, c'est son père qui les lui a infligées. Et dans la seconde, lui-même. Les deux histoires sont totalement différentes et totalement fausses. Tu es nerveuse? C'est les cicatrices? Tu veux savoir à qui je les dois? Viens par ici. Laisser justement ces vides peut être nécessaire, mais Nolan comme Bacon utilisent paradoxalement le vide pour valoriser leurs travaux. L'effet sur le public est le même que celui que Bacon a sur Nolan. Ils sont laissés penser à ce qu'il y a derrière cet espace sombre. C'est avec cette filiation avec Bacon que Christopher Nolan convaincra d'ailleurs Heath Ledger à jouer dans son film. Lui qui ne se voyait pas vraiment dans un film de super-héros. Pour ressentir au plus profond de lui justement la folie de ce vilain emblématique, le comédien n'a pas hésité à s'isoler jusqu'à 6 semaines dans une chambre d'hôtel avant le tournage. Ses pensées étant plus profondes, plus effrayantes, il les notait dans des journaux intimes. Il était totalement investi dans le rôle. Heath Ledger n'a pas seulement interprété le Joker, il est devenu le Joker. Et l'immersion a été totale. Totalement possédé, il a offert une prestation assez incroyable dans la peau du psychopathe au visage balafré. Une sorte de folie expressive qui n'est pas sans rappeler justement les violences présentes dans les peintures de Francis Bacon. Comme par exemple le portrait tête 4, où les couleurs dégoulinent et se mélangent à la même toile. Christopher Nolan a décidé de traduire cette vision à travers un maquillage transpirant et chaotique. Mais déjà, la pratique de Francis Bacon se rapprochait du médium cinématographique. Chez Bacon, la série n'a pas pour effet une simple juxtaposition. Chaque tableau essaie de se refléter continuellement à l'autre. Et quelquefois, les meilleurs travaux se construisent autour de séries, qui ne fonctionnent pas séparément. L'artiste reconnaît d'ailleurs s'inspirer de la vision panoramique du cinéma. Ah, donc évidemment, il y a le recours à la forme classique du triptyque, qui enveloppe justement le spectateur, et Francis Bacon, s'inspirant justement des écrans panoramiques, a eu l'idée d'en faire plus usage. Par exemple, dans trois personnages dans une pièce, la forme du triptyque, qui est certes empruntée à l'art religieux et qui est récurrent,
montre ici un même personnage, son ami et amant George Dyer, qui est représenté sur les trois parties de l'œuvre. Il incarne ici une figure de la solitude à l'anatomie totalement torturée. L'interprétation de Bacon n'est elle pas réaliste, mais propose une réflexion sur ce qu'est la réalité dans sa crudité, dans sa forme de laideur. Les couleurs du visage du Joker renvoient aussi aux couleurs des visages de Bacon, qui détachent ses figures dans la composition du décor. Il n'y a jamais de profondeur de champ. L'être humain nous apparaît toujours frontalement. La couleur sert la figure dans le tableau, comme le Joker se détachant dans la nuit de Gotham, où les couleurs de son visage dénotent au blanc immaculé du General Hospital. Je ne voudrais surtout pas qu'on reste en mauvais termes tous les deux. Donc une forte violence se dégage de l'œuvre de Bacon et marque alors d'autant plus la violence de notre Joker, créant une vraie passerelle entre eux. Par exemple, dans Figure assise, Bacon transforme les motifs familiers dans un style macabre, sous la souffrance universelle et la terreur de la guerre. Son intention est alors de bousculer le spectateur. Ses œuvres sont dérangeantes pour certains, énigmatiques pour d'autres, et ne laissent personne indifférent. Nolan cherche alors à nous traduire cette opposition au sein du Joker. Il est dérangeant, énigmatique, mais n'en est pas moins fascinant. À la sortie du film, personne n'est resté indifférent. Et cette fascination fait que personne n'est derrière le maquillage du Joker. Il peut être tout le monde. Par exemple, comme il est dit dans The Killing Joke d'Alan Moore. Il suffit d'une seule mauvaise journée pour réduire l'homme le plus sain d'esprit du monde à la folie. Juste une mauvaise journée. Ainsi, nous pourrions tous basculer en Joker. Nolan nous renvoie à ce personnage comme Francis Bacon, qui insistait d'ailleurs lui toujours pour que ses œuvres soient exposées derrière une vitre, pour que le visiteur voie justement leur propre reflet dans le tableau, leur donnant ainsi une expérience plus personnelle. Et ce n'est pas une demande anodine. La vitrine fausse normalement la perception et l'appréciation du spectateur. Mais l'identification au visage torturé de l'artiste est bien une de ses intentions. Ainsi, le prince du crime de Gotham peut aussi, par extrapolation, et peut aussi faire sourire, être l'amant Francis Bacon, George Dyer, qui était un criminel londonien, qui, après que ce dernier ait forcé sa propriété, finit par éprouver pour lui une folle admiration. C'est alors que les deux hommes nouent une relation de codépendance entre alcool, fête et jeu. Par exemple, dans l'œuvre Le portrait de George Dyer en train de parler, George Dyer devient progressivement une figure emblématique dans l'œuvre de Bacon. Pourtant, il est souvent représenté par l'homme qu'il aime, mais ne comprend pas moins la façon dont il est dépeint, puisqu'il est une représentation torturée par l'esprit même de Bacon. Ainsi, le lien entre le personnage du Joker et le travail de Francis Bacon n'est pas anodin. Le film de Batman de Tim Burton, en 1989, faisait déjà intervenir le Joker pour sauver une seule œuvre d'art de la destruction dans un musée, Figure with Meat, de Francis Bacon. Et crée déjà donc un lien entre les représentations de l'artiste et le personnage du Joker. L'œuvre qui sera réinterprétée dans une scène d'ailleurs du Dark Knight de Nolan, avec le personnage central et les pièces de boucherie suspendues dans l'espace. Francis Bacon n'a pas inspiré que Nolan. Le travail de l'artiste, tant au niveau figuratif qu'idéologique, les corps torturés de celui-ci, ne sont pas sans rappeler aussi les différentes créatures de Cronenberg. Mais aussi Aliens de James Cameron, où son étude d'après le portrait du pape Innocent X par Velázquez a inspiré la bouche du monstre. D'ailleurs, ce portrait du pape, qui est d'après l'œuvre de Velázquez, est l'un des thèmes obsessionnels de Francis Bacon. C'est un portrait qui appartient à une série de 45 variantes sur le même sujet. Il ne s'agit pas d'une peinture religieuse, mais avant tout d'un travail de réinterprétation d'un grand maître. Bien sûr, le sujet n'est pas anodin. Le pape incarne une figure de pouvoir et d'autorité. Ici, il est représenté hurlant. Mais sa voix semble étouffée par l'atmosphère oppressante qui l'entoure. Est-ce qu'il devient, à ce moment-là, une figure aussi impuissante? Le Joker, d'ailleurs, vient lui-même dessiner sur des portraits d'hommes de pouvoir de Gotham, comme la photo du maire dans le journal, ce qui le rendrait impuissant face aux actions qu'il a mises en place. Nolan réinterprète lui une fascination personnelle pour le travail de Francis Bacon, les différentes œuvres se nourrissant elles-mêmes constamment. Ainsi, les obsessions de Bacon pour Velázquez a fini par inspirer les obsessions passionnelles de Nolan pour Francis Bacon. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé.
restez créatifs, au revoir.